Parce que c'est un événement extraordinaire. GTX, votre tour de monde, votre tour du monde. En fait, Hollywood Reporter, c'est un blog qui agrège plein de blogueurs cinéma qui font des critiques ou des actualités sérieuses sur leur propre blog. On parodie l'actualité cinéma avec des fausses news et des fausses critiques. On est vraiment ravis. Merci à tous ceux qui ont voté pour nous, sincèrement. Un petit poids sur 10. C'est un blog qui a maintenant 3 ans et demi et qui parle de Paris plutôt sous l'angle du flâneur, donc des balades. Des lieux un peu insolites à découvrir, parfois quelques expositions. Fais voir qui a gagné. Frenchy Fancy. Passeur de science. Litobox. Les Enjoliveuses, c'est l'histoire d'une fille, moi, qui avait tout le temps des accidents de voiture et qui n'avait pas à m'en sortir. Et du coup, j'ai décidé de monter un blog pour aider les femmes comme moi à s'en sortir toutes seules sans appeler leur père pour les dépanner. Je parle de maquillage, de soins de la peau, des cheveux, de comment se coiffer, comment se faire les ongles. Des fois, je parle aussi un peu de mode, mais c'est surtout voilà, comment prendre soin de son corps, comment être bien à l'aise avec soi-même. Bah, Moovly, c'est un blog qui parle d'high-tech, qui parle de tech, de technologie, mais de façon très simple. Bah, c'est un blog musical et qui se base sur des coups de cœur. On parle de tous les styles, on parle des artistes qu'on aime et puis voilà, on partage notre passion. Et décalé. Je suis célibataire, ça s'intéresse. C'est un blog dans lequel je poste un pattern par semaine, comme son nom l'indique. Et à chaque fois, j'intègre le motif dans une scène. Pierre est le passeur de science, il va nous expliquer ce que c'est. Alors Passeur de science, c'est un blog qui existe depuis 4 ans sur lemonde.fr. C'est un blog qui raconte toutes les petites histoires de la science dont on n'entend pas parler sur les grands médias justement. La grande gagnante est Ella Fraîche. Ella Fraîche. Ella Fraîche. Bon, Ella Fraîche, c'est un blog mode que j'ai lancé il y a 4 mois. Et en fait, mon ambition, c'était de faire un blog mode qui soit un peu différent de ce qu'on peut trouver actuellement sur la toile.